Bonjour à tous mesdames et messieurs, c'est Oscur et regardez-moi ce style incroyable de cette arme. Maintenant que je lui ai apporté son magnifique revêtement, regardez-moi ça. C'est pas une arme extrêmement stylaxe. Là tout de suite on est mieux là. Là tout de suite on est mieux. Stabilité augmentée en plus. Ça on a. Le chargeur de cette arme est augmenté. Voilà. Non, j'ai plus lent. Ah non, c'est la merde. Longue portée. Et là c'est encore mieux. Mais moins de portée. On va faire ça plutôt, je pense. Ça peut être intéressant. 1050, 1100. C'est vrai que là, on va commencer à avoir des trucs. Ouais. 1058. Ouais. On commence à avoir des pièces d'armure qui nous détruisent en termes de puissance. Et ben, autant s'en servir, j'ai envie de dire. 1060, encore ça. Que j'utilise plutôt que des. Ouais, autant utiliser ça plutôt que des violets, histoire d'augmenter notre niveau de puissance. Notre niveau de puissance. Ok. Bon. Allez, c'est type 1. Allons globalement taper de. Taper du déchu. Donc on a un assaut. Oh, putain, what the fuck. On a un assaut et on a une carte assez. Ok, là il y a l'au-delà. Puis d'infinité. Bon, ok, on est vraiment sur une carte assez grande quand même. Et brrrah! Wouhou! J'ai cru qu'en fait il y avait juste des barres hein, et que c'était pas un énorme nivellement. Pourquoi est-ce que je vais là? C'est pas du tout là. Au-delà de lumière! Deux. Sur Destiny, deux. Et ouais, incroyable, n'est-ce pas? Bref, du coup. Où est-ce qu'on était? Ah oui, c'est la merde. C'est un gosse. Varix, nous sommes prêts. Où se Pour un serveur top trouve secret. Varix vous remercie. Ah non, il faut que je monte là. Monter là. Ah oh, oui. Ah. Un plafond de verre. Oh putain, il est là. Je pense pas que ce serait si. Si proche. Allez, vas-y. Dis-nous tout. Alors? En ce temps, moi, je suis. L'alimentation arrive, Barix. Encore deux. Non, j'ai code. Allez. Il est où l'autre? Par là. Ah oui, les délais de les relais de communication qui sont à 10, 15 et 20 mètres respectivement de la base. Ouais, ok. Ah oh bah on pourra se parler en Ethernet. Hein. Ah mon dieu. Pour l'instant je... Ok Varix, ça fait deux. Vous Ouh. avez entendu ça? On aurait dit des voix. Celles qui parlaient à travers moi. Putain, mon dieu, regardez-moi cette brume. On voit plus rien, quoi. À tout moment, je tombe dans le vide. C'était littéralement un saut de l'ange, quand même. Ah, voilà. Je crois que c'était des volontés. Enfin, que c'était voulu que. Waouh! C'est chaud! C'est tout blanc! Elles sont là. Elles nous font signe. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, l'attaque, hein. Bonjour, ça va? Est-ce que vous allez bien? Allez. Nous avons fait signe. Vous avez répondu. Nous vous avons fait attendre assez longtemps. Venez maintenant. Le salut vous attend. Bon bah allez hein. Ils m'ont dit oui, j'y vais.
Ils m'ont dit venez. Ils ont une petite friandise, je vais aller voir. Je vais aller leur rejoindre dans leur camion. C'est parti. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? La lumière vous pense un crat. Un simple soldat envoyé en mission Crat. encore et encore. C'est pourquoi nous voulons vous remercier avec un cadeau pour vous aider enfin à prendre le contrôle. Prends le contrôle. C'est vrai qu'on est vraiment ingrate. C'est comme ça que ça se prononce. Mais bon. En plus, ils savent quel personnage j'ai pris, donc ils pourraient accorder. Mais bon. Waouh! Eh bah, dis donc! Y a des gens là-bas, on est d'accord? Y a des gens là-bas. Hein. Je vous ai vu. C'est le pire atterrissage que j'ai jamais vu. Quel style. Et oui, il marche. Enfin, genre, une de choc, mais on bouge pas. Hein. Salut, t'es où? On arrive après la bataille. C'est nous toujours à la bourre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'exo inconnu pour apprendre pourquoi est là et qu'est-ce qu'est le monolithe? L'exo inconnu. Madame, c'est vous sur le masque? Madame, regardez. Regardez, madame. Non, ça c'est Europe. La lune, la. Madame, attendez. Attendez, madame. 2 secondes. Fuck. Je l'ai plus. Les anciens. Non? Je peux pas voir. Fuck. C'est. Fuck, je peux pas voir. Madame, attendez. Le son de la traque, tout temps, cité des rêves, merde. Alors, il y a ça déjà, mais. Combattant, équipement. Ah ouais! Bah, let's go. Franchement, let's go. Ok, voilà, parfait. Bon, c'est pas ce que je vais faire. Mais il y a un masque de vous, madame. On en a un, mais je peux pas vous le montrer. Faudra me croire sur parole. Je sais. Je vous dois une explication pour tout ça. Oui. J'ai jadis chargé les gardiens de détruire le cœur, d'empêcher l'arrivée des ténèbres. Nous y sommes parvenus. Mais je sais qu'on ne trompe pas indéfiniment le destin. Les vannes ont cédé. Les ténèbres sont avec nous. J'en fais usage pour arrêter nos ennemis là où la lumière ne le peut. Vos prouesses dans la pyramide montrent que vous aussi, vous le pouvez. Ce bâtiment devant nous est une ziggourate. Son but est la tentation. Pour commencer votre entraînement, vous devez lâcher prise. Tenez, prenez ça. Elle enseigne le lâcher prise? C'est le professeur Vico? Comprenez ceci.
La ligne entre la lumière et les ténèbres est fine. Franchissons-la ensemble. C'est quand même incroyable. Je vous rappelle quand même que c'est peut-être genre l'un des plus gros crachats à la gueule que tu peux faire à un gardien. C'est vraiment littéralement du... Oui, alors en fait, je connais les ténèbres, viens, ça dit, on y va. C'est que... Elle vous indique qu'il est temps d'accepter cette offre, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment... En fait, ce mec... Ce vieux monsieur en manteau, là, avec son petit bonbon et son camion, en fait, il a raison, en fait, il faut y aller. En fait, c'est lui, en fait, le chauffeur. C'est normal. Je vous remets un fragment de ténèbres, celui-ci vous permettra de manier la stase. Il y en a d'autres dans les mains de la maison du salut. Le vôtre est faible pour l'instant, mais gagnant en puissance infinie dans votre progression. Exo inconnu vous confie son campement. Lorsque vous apprenez des leçons et récupérez des souvenirs, vous revenez ici pour réfléchir à vos expériences. Mais d'abord, vous devez accepter le chemin qui s'ouvre devant vous pour commencer à harmoniser votre fragment à la ziggourate monolithe des pleines gelées. Eh ben, c'est parti. J'ai envie de dire, au bout d'un moment, hein. À l'attaque! On fonce en ligne droite. On fonce plus en ligne droite. Ok. Bonjour madame. Vas-y Gourate. C'est vous que je veux harmoniser? Ouais, c'est vous. Madame, je veux vous harmoniser. Je l'avais harmonisé. Allez, faut communier maintenant. Bah bravo. Il faut que je commune. Avec un apex des ténèbres au Nexus. Bah allez. Je fais ce qu'ils me disent. Je fais ce que la madame elle me dit. On a l'impression qu'elle est en train de mener un truc genre... Attendez, par contre, y a pas des gens? Parce que je pense que je peux leur parler quand même, non? Je les connais en fait ceux-là. Excusez-moi, mais je vous connais, non? Le vagabond avait raison. Sa lumière, c'est bien. Les ténèbres, c'est mal. C'est dépassé. Les gens le comprennent. Vous avez raison. Mais vu les enjeux, vous n'en faites pas trop. Trois yeux. Laissez-moi ça, d'accord? Juste une fois. Trois yeux, donc. Je peux parler à Iris? Je suis si soulagée de vous voir. Nous avons grand besoin d'alliés. Et j'ai encore plus besoin d'un tampon entre cet énervant vagabond et moi. Vous voyez, l'inconnu est bien trop réservé pour mettre fin à ses bavardages. Mais je suspecte son silence d'être lié à ce qu'elle cache. Même si je ne sais pas encore de quoi il s'agit. Pourtant, je préfère ces deux-là à mes recherches en solitaire sur la Lune. Vous avez de la chance d'avoir votre spectre, gardien. Comme vous pouvez le comprendre, ce voyage dans les ténèbres ne peut s'entreprendre seul. Les rescapés de la maison du crépuscule souhaitent rejoindre la maison de la lumière. Les anciens liens se brisent. Et eux, ils en ont rien à foutre. Ok, très bien. Bon, bah, ok. Et vous, vous avez des trucs à dire éventuellement, non? Même pas là. Bon bah ok. Allez, c'est parti à l'attaque. Vous vous rendez compte qu'on a failli ou on a failli louper ces dialogues là quand même. C'est très important d'avoir ce genre de dialogue dans l'histoire. Parce qu'on sait pas ce qu'ils foutent ici en fait. Globalement. Et on sait toujours pas maintenant, mais au moins on a des éléments de réponse quoi. Ah bah tiens. Poulpi, mon bro Poulpi. Je connais pas. Allez. Salut. On m'a pas fait un appel de phare. Je le teste. Je te rentre dedans, toi. Ah, il est mort, lol. Je me gratte le nez en même plein milieu. Et ouais. Et même comme ça, je meurs pas. Qu'est-ce qui se passe? Donc.
Eh bah c'est parti hein. Et Varix il en a rien à foutre apparemment. On était censé avoir ouvert un relais de communication, il en a rien à foutre. Ça y est. Hein. Pour lui, je suis mort là, ça y est, je suis corrompu. D'être corrompu par les ténèbres, c'est terminé. Alors. Bonjour, il y a des Vex, bonjour. Je détecte une transmission des déchus. C'est Vigris. À tous les pions de la grande machine, saviez-vous qu'elle avait condamné ma race avant de condamner la vôtre? Vous n'êtes pas spéciaux, seulement les jouets d'un soi-disant dieu qui préfère sacrifier votre vie à la sienne. D'accord, merci beaucoup madame. Après, vous sentez quand même que dans les dialogues, le but... Ah putain, ça c'est clairement Vex. C'est, le but est clairement de remettre en question notre rapport à la lumière et aux voyageurs. Ça c'est sûr, c'est à ça que l'extension sert. Allez, viens, qu'on communie tous les deux, là. Oh, sa mère. Ça y est. Ah, je crois que mesdames et messieurs, nous sommes prêts. Tu veux la guerre, t'es pas prêt, pas... Il est glacé. Il est glacé. Ils sont glacés. Ah putain, merde, c'est pas le fusil impulsion que j'aime bien, ça. Et vous êtes glacé. Vous êtes glacé, monsieur aussi. Ah bah là hein. Hop. Voilà. Ah là on est sur du contrôle de terrain là. Fuck. J'ai réussi à louper ça quand même. Oh fuck. Ils arrivent par derrière aussi. Fuck. Voilà. En fait, non. Ouais, c'est le moment. Mesdames et messieurs. Ok, je vois ce que ça fait en fait. Donc il y en a un qui transforme en glace et l'autre qui détonne. Ah, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'il me tire dessus? Attendez, excusez-moi. Ok. Voilà. Ah bah là c'est sûr que là on réfléchit là maintenant. Là c'est pas l'auto-win de la doctrine abyssale. Alors c'est pas le plus puissant pour l'instant, hein, c'est sûr. Attendez, on va faire des murs. I will build a great wall and nobody builds wall better than me. Ah! C'est bon, je vis. Et je reviens.
Allez, venez et entrez dans la danse, comme le dirait un certain Grégoire. Hurra! Hurra! Ah merde, excusez-moi monsieur. Meurs! Eh ben merci beaucoup. Pourquoi j'arrêterai la communion? On est trop bien là, comme ça ici, regardez-moi ça. Je vous remercie. Je vous témoigne. What the fuck? What the fuck, les amis, je peux me mettre dessus? Let's go! Oh, je suis glacé. Je suis glacé. Oh, et je suis. Non, c'est bon. Je l'évite? Non. Oh. Sécuriser le coffre verrouillage de Nexus en brisant les sauts tactiques statiques, puis en ouvrant le conteneur. Ok. Allons voir. Ah, invocation possible. D'accord. Ah, mais du coup, je peux pas. Attendez. Je peux pas le. Non, non, vraiment. Ok, d'accord. Bon. Pour plus tard, certainement. Après, la doctrine missile, c'est bien aussi, hein. On va pas s'en plaindre. Let's go. Hop. Tu veux la guerre, t'es pas préparé. Bravo, Nizé. Tiens, tiens. Ah là, tout de suite. J'ai pas pu tester proprement cette arme, mais là, oui, j'avoue que ça envoie un petit peu du pâté. Du pâté à une croûte. Je t'aisselle. Donc, nous pouvons utiliser la stase pour déverrouiller ces loquets. Allons voir si nous trouvons quelque chose d'utile à l'intérieur. C'est beau. Une armure ancienne. C'est parfait, ça. Ah, faut que je prends la Varix. Et par là, il n'y a pas de. Oh. Oh, ils ont l'air forts, eux. Ils ont l'air forts. On va aller parler à Varix. Varix! Varix, regarde ce que j'ai trouvé, Varix! Toujours pas de. Non, ok, très bien. Eh, hey, Varix, tu croiras jamais. J'ai eu un truc, maintenant, je peux faire des glaçons tout seul. Regarde ce que j'ai trouvé, Varix. Est-ce possible? Je sens ce pouvoir empoisonné sur vous. La corruption se répand-elle si vite? Ou souhaitez-vous vaincre Vigris avec ses armes? À ton avis. Votre la raison. Voix est très dangereuse. Oui. Allez à fond. This is the voice. Distinguée à la trouée du crépuscule. Prouvez que vous êtes digne de l'affronter et elle se montrera. Allez, maintenant il faut qu'on lui demande. Maintenant il faut qu'elle veuille bien venir, se daigner vraiment. Oui, bonjour. Un fusil à pompe spécial, bon. Merci, mon ami. Un coffre verrouillé par la stase dans les. Bon, ok. Je prends. Je prends. Parfait. Un autre coffre verrouillé dans l'exoscience de Bray. Bah allez. Allez. Alors c'est quoi ça? Ah bah ça tombe bien justement. On a le fusil à pompe. Ça, il m'a l'air particulier. Attendez. Ah ouais d'accord, ok. Oh là là, mais quel style. Aïe 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 aïe. Vas-y, je vais le mettre en. Je vais le mettre en maison mérine comme ça. On n'aura pas le même camouflage sur les deux. Et là, y a quoi là-dedans? Ça peut pas me dire qu'il y a absolument rien quand même. Peut-être qu'il y aura des choses plus tard, peut-être. Ah. Oui, la crête de Cadmus. Je peux pas. J'appuie sur E mais ça marche pas. Ah, il faut que je fouille la crête avant de venir. Bah bravo. Ah bah tu parles d'un objet de quête quoi. Ah, merci. Merci beaucoup, bâtard. En tout cas, pas merci, quoi. Et ouais, c'était une blague. En fait, je te dis pas merci. Pourquoi je vais éliminer des déchus, déjà? Ah, c'est vraiment ce qu'il faut que je fasse. Excusez-moi. Sans mourir. Bah oui, bah... Bah, bien sûr.
Du coup, on m'a donné la daltrine, puis on me l'a repris en fait. Bah merci. Merci beaucoup, bande de bâtards. Vous êtes du genre à enlever les sucettes que tu vous donnez aux garçons en fait. Et aux filles d'ailleurs. Pas de discrimination. Attendez. Attends quoi? C'est un passereau ça? Mais c'est un passereau d'un bro ça. Regardez, c'est le passereau d'un bro. Meurs! Meurs, passereau du bro! Ah bah bonjour! C'est vrai que du coup ils ont un bouclier abyssal, donc si j'avais l'autre doctrine, je serais bien dans la merde. En fait non, c'est les armes, c'est les dégâts des armes qui m'arrivent. Mais bon bref, vous avez compris quoi. Wouh. On va détruire un peu de Vex parce que c'est un peu l'une des mes quêtes aussi, donc autant tout neutraliser en même temps. C'est vrai qu'il y a pour l'instant c'est vraiment zéro déchu quoi. Ah, le détecteur de ressources marche bien. Le détecteur de ressources marche plutôt bien. Ça c'est déjà le point positif. Putain mais il y a vraiment des passereaux partout. Dit-il en laissant son passereau tout seul. Allez hop, allez ça c'est fait. Ah là tout de suite quand j'ai une arme 1080 là, comme la carte graphique. Là tout de suite ça fait moins les malins là. Hein. Ah oui, hein. Ah ça tombe plus vite. Hein. Ah ça tombe en une rafale maintenant bizarrement. Un événement public, mais non mais j'ai l'air d'un mec qui fait des événements publics. Bien sûr que oui. 4 minutes 25, bah oui bah allez. J'ai que ça à foutre. Putain mais les bruits. Ah bah let's go. Ah oui d'ailleurs en parlant de ça. Il y a quoi dans la boutique? Un... Oh très très stylé ça par contre. Je vais voir pour s'il n'y a pas mieux mais... Il y a moins que je prenne. Vigilance de 514. Ah mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse en plus je peux pas changer les couleurs. Porteur du ciel. Oh. Merci mais j'ai pas l'arc d'argent. Et le parapluie. Le parapluie, bien sûr. Quand on a des... Ouais, ok. Bon, ok. Très bien. Et du coup, j'ai toujours... Je les mets 100 d'argentum du pass. Let's go. Merci beaucoup. Bah allez, je le prends en vrai. C'est trop, trop stylé. Ok. Donc, tac, tac, tac. Autant prendre ça. Avec des dégâts sur... Avec des frais de précision. Une mitrailleuse. Ouais bah dis donc. Hein. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous hein. Hop. Et dégâts solaires, ce serait ça uniquement quoi. Ou ça. Alors du coup c'est les Vex qu'il faut que je détruise avec le sniper. Le sniper. Ah si ça c'est pas un déchu ça. Si là il n'y a pas des vaisseaux déchus de partout là. Ah bah voilà. Bon par contre le problème c'est qu'il faut que j'ai détruise avec des frags de précision. Et c'est pas les meilleurs ennemis pour les frags de précision. Et surtout que les fusils impulsion non plus c'est pas la meilleure arme pour les frags de précision. C'est-à-dire que si les deux tirs de la rafale sont de précision mais que le troisième qui importe il est pas de précision. Ouais voilà par exemple là ma vie est nulle. Arrête de bouger. Mais putain. Oh, tu pètes les couilles. Bon après c'est le pire visé. Voilà, voilà, justement, j'ai fait un tir de précision et l'autre. Je vais pas faire un truc bien là. Non. Qu'est-ce que c'est tout ça là? On vous dérange pas? Pourquoi il y a ça là? Qu'est-ce que foutent tous ces gens en fait? Putain, merde. Ça c'est quand la caméra va vers le bas. Ça, c'est une patrouille, ça j'ai la flemme. Voilà. Voilà. Ah, des ressources. C'est... Un guet-apens.
Voilà, let's go. Fuck, putain, mais... Je me fais détruire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Let's go. Putain, merde. Il fait froid, on voit rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, laissez-moi 2 secondes. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? Venez! Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Ah bah là, je suis pas prêt d'avoir des frags de précision, là. Oh mais mon dieu, mais vous êtes combien? Et vous l'avez buté! Vous avez buté mon bro! Let's go. Frag de précision, frag de précision. Oh putain, toi. Ah, je lui fais pas de dégâts. Mais bon. Let's go. Récompense. Le plaisir d'avoir participé. Les gens là. Qui a besoin d'autre chose là? Colissimo. Oh fuck. C'est quoi cette puissance qu'elle? Allez hop. Et le niveau supérieur, nouvelle étape en plus. Elinax, elle est du salut, élimina dans la bis d'Astérion. Ok, bah d'abord je termine ça, mais je le ferai volontiers quoi. De toute façon là c'est pas vraiment des missions qu'on est en train de faire, c'est vraiment plus des hybrides un petit peu bizarres. Fuck, c'est pas ce que je vais faire. Allez, viens là. Ok, donc ça c'est les armes cinétiques, donc ça c'est bien. Eh hey, oh! Oh fuck! Mais eux ils sont forts! Ah, c'est pas là où je suis allé. Excusez-moi, messieurs, dames! Oui, bonjour, bonjour. Oula! Ah! Ah! Fuck. Je sais pas ce que je dois taper. Je tape quoi? Putain, what the fuck? Ah oui, il était vénère. Oh fuck. C'est bon là, je suis immunisé. Fuck. Oh fuck. Ah! Pas très sympathique, monsieur. Monsieur Udaï Buda. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah non, mais vous. Oh fuck. Allez. Let's go, et de 1. Mais attends, mais... Quelqu'un là? Let's go. Et on les a battus, bien voyage à tous. Ah, de les détruire dans pas très longtemps. Ouh, j'avais jamais vu ça par contre. Ça, je n'avais point vu auparavant. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? 1071, bah je prends, j'ai envie de dire. Mais waouh, oh ce style!
Ok, ça c'est stylé ça. Alors du coup ça c'est 158, ouais. 158. Hop là. Maintenant tout le monde est... Ah oui d'accord, on est plus des... c'est plus des trucs aléatoires ça. Intéressant. Ah mais non, non, j'ai rien dit en fait, c'est normal, c'est parce que c'est des... Parce que c'est des brassards. Ils n'ont pas d'attributs. Ah mais tout le monde a des attributs en fait. Tout le monde a plus d'attributs. Tout le monde a perdu ses attributs. Peut-être parce que je vais pas les recréer, je vois. Non, j'ai l'impression de pouvoir recréer un peu tout le monde. Ah mieux, le 7ème Séraphin. Ok. Intéressant. D'accord, d'accord. Bon après j'ai plein de trucs. Je vais pas regarder tout de suite. Mais bref. Linux machin là, elle est où? Là. Ok. Alors déjà j'ai des saisons, oui. Ah, let's go. Let's go. Ça, j'avais pas vu ça par contre. Bah, c'est le moment de mettre, de revêtir notre équipement, j'ai envie de dire. Ok, stylé. Ok, c'est un peu stylé quand même. Un peu stylé quand même. Alors après, je me demande ce que ça pourrait être avec... genre ça, par exemple. Ouh. Le cuir du Gambit. Ouais. Le bronze huilé du dernier... Oh, stylé. Ouais, le camo du dernier pas, c'était intéressant. Oh, j'ai appuyé sur Windows, désolé. Oh. Intéressant, intéressant, intéressant. Monochrome. Ah bah là, ah bah oui, bah là, oui. Là je dis oui. Là je dis oui. Ah, trop de bleu. La maison Myrine. Stylé, stylé, ça va, ça va. Le nouvel âge de l'arsenal sombre. Ah, pas assez de rouge. Trop de vert. Comme pas mal de camo. Mais par contre, ouais. Le monochrome est vachement stylé. Faut que je le retrouve là, je crois. Non, ça c'est le chrome du Gambit. Ouais, le problème c'est que le chrome du Gambit il pique les yeux des fois. Hein. Il pique un peu les yeux. Ah, il est là, monochrome. 2, 3, 4, 5 et 6. Comme ça, j'en garderai un. Hop. Regardez-moi ce style. Regardez-moi ce style. Oh là là là. Je sais que ça sert à rien parce que de toute façon je vais certainement les enlever pour d'autres, mais je veux que vous vous rendez compte à quel point le style est puissant quand même. La force est puissante en vous. Bon, ça change absolument rien par contre ça. Ok, très bien. Ah, la force est quand même vachement puissante quand même. Hein. On va pas se cacher. Hein. Ça sert à rien. Voilà. Ok. C'est très stylé. Allez, c'est parti. C'est le moment d'aller voir. D'aller toquer à la porte. D'une certaine personne que nous allons détruire. Boum boum, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, vu qu'il fait froid maintenant, qu'on a bien vu notre destrier, notre fidèle destrier, on va pouvoir reprendre ce magnifique. Voilà, il fait giga froid maintenant. Hop. Est-ce que je peux pas faire des petits coups? Mais hein. Mais hein. Parfait. Ce sont les coordonnées que j'ai entendues à la radio. Filax a des troupes en patrouille dans la région. Ah. J'ai un fusil à pompe? Je l'ai toujours ou pas? Ah non, je l'ai pas. Fuck. Il est au commis des pouces. Fuck. Bon. Je verrai. Waouh 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 waouh. Attendez, mais ça c'est à moi ça. Bonjour. Bonjour. Allez, venez là. Oh les pauvres. Nulle part où aller. Ah, bah maintenant ils ont quelque chose. Suffit de le dire.
me détruisent le vaginarium. Qu'est-ce que c'est que ça? Je leur fais zéro. Je leur fais tellement zéro. Mais vous êtes cerné quand même par une personne. Hop là, je vais ski. Presque tout. Oh putain. Oh, tu t'es pris la rafale là. Ouais, là c'est mort. Là c'est mort. Finito. Oh bonjour. Oh toi, jamais je te combat à la loyale toi. Allez, allez, vas-y. Ah oh, putain, mais il tire quand même. J'avais pas vu. Allez. C'est bon. Vas-y. C'est tout. Ah bah c'est continue, il faut aller plus loin encore. Bah bravo. Aïe. Putain. Ah c'est pas le véhicule aussi maniable que les passereaux. Hein. Allez. Bonjour. Coucou. Y'a là. Aïe. Et viens là, wesh. Fuck sa mère, la plume. Vous l'aurez voulu. Je descends de mon destrier. Aïe, 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 aïe. Attendez deux secondes, je reviens. Aïe, 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 aïe. Ah mais j'ai pris cher. Y a quelque chose au-dessus de moi, c'est ça? Oh, bonjour. Arrête de faire votre connaissance. Mais putain, mais vous êtes combien? Fuck sa mère, fuck sa mère. Aïe, ouais, elle a de plein fouet là. Et ça, je vais ski, ça, je vais ski. Oh, fuck, excusez-moi. Oh, attends, viens là. Voilà. Fuck, mais pourquoi il va si vite, lui? Meurs. Quoi? Il a pris 2 HP? Il prend si peu de dégâts. Allez, viens là, viens là. Voilà. Fou. Alors, attendez, il y a quelque chose là. Ouais. Le retour du bro. Let's go. What the fuck? Voilà. Vas-y, aide-moi mon ami Rewind. Niveau 9 déjà. Non, il s'en fout. Il s'en fout. Ah, Caboche qui vient nous aider aussi. De sa main de maître. Les premiers équipements sont les plus importants. Hein. C'est pour ça que les mecs qui sont pauvres de niveau 8, ils sont quand même meilleurs. Et quand même d'une grande aide. Que moi j'ai pas encore les équipements du niveau de ces mobs là donc c'est compliqué. Quoique c'est vrai qu'avec l'armure maintenant. Aïe, on m'a détruit. Ah parfait. L'événement optionnel, j'ai envie de dire bon bah. Gardien, les mecs s'approchent. Si on faisait ce que font les gardiens et qu'on les réduisait en puce électronique. Ouais, si on les réduit en puce électronique, dis donc. C'est tout. Comment est-ce qu'il est hautain? Bon, ils ont l'air d'avoir un peu de temps. Ah, il faut que je sois avec des dégâts solaires et j'ai plus de dégâts solaires. Oh, des autruches. Des pans. Des fans. Je sais plus si c'est un pan ou un fan. Ou un temps. Non, je sais que c'est pas un temps, mais quand même. Et y'a là. Fuck. Allez, allez, allez. Ça y est. T'es pas sérieux. Y'a là. Y'a là. What's up?
Il me fonce dessus là. 1095. Ah ouais, bah oui, bah allez. Putain, bah bonne chance les gars. Allez, nous on va aller. Ah, on va aller. Putain, un truc pour un bouton pour retourner le pastro alors que là on invoquait un. Prend 2 secondes de moins quand même. Hop. Ah bah oui, bah génial. Ah bah là, super. Ah ouais, ok, d'accord. Je crois qu'on voit jamais de potes. Ok, alors là il y en a un qui a perdu masse HP. Il a pas perdu ses HP et je me fais attaquer par les Vex à côté. Il s'est pas fait one shot par une bombe Nova, je crois que je vais avoir du mal. Mais vas-y! Mets tout ton chargeur, je te dirai rien. Non mais sérieux. Oh, je vais tellement pas tomber sa vie. Ça va? Faut que sa mère la plume. Mais. Ça me touche à. Je vous jure. Oh putain, je suis pas dans la merde. Il a perdu l'HP, j'ai pas vu. Combien là? Il y en a combien, wesh? Ah bah événement épique, let's go. Putain de merde. Viens là toi. Mais bah plus loin encore. Précision d'Europe. You. Attendez. Let's go. Allez, on bastonne, on mitraille. Qu'est-ce qu'il fait? Me tire pas dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Mais stop, arrête-toi, wesh! C'est bon? Mais tiens, pas très sympa ça, la feinte! Laisse-moi tranquille, toi! J'ai pas intérêt à me faire toucher par ça. Hein. Ma seule faiblesse, l'anticipation. C'est bon. Alors, vous ne pouvez rien me faire maintenant. Oh fuck. Hop, je vais aller chercher l'événement public. Hein. Ouais, je reviens plus tard. Non, il est où? Là. Let's go. Lumen, c'est toujours ça de prix. Il reste des gens là-bas? Dites-moi que s'il a respawn. Dites-moi qu'il n'y a pas respawn. Normalement. Ok. C'est presque pire. Presque, hein, donc ça ira ça mieux, mais. Tu veux vraiment me faire chier à ce point là? Putain, mais ils sont tellement chiants à tomber. Attends, mais je prends combien là? Attendez là. Mais laissez-moi tranquille, wesh. J'ai plus de munitions. Oh, je suis pas dans la merde. Hop. Okay.
J'appuie sur A, j'appuie sur A. Ça marche pas, fallait maintenir. 1100. 1100. Bah bien sûr. Et puis quoi encore? Ah mais ça va pimenter un peu les choses. Ok. Faut absolument que j'arrive à détruire cette merde. Non mais putain. Exactement, c'était là. Exactement là où jouait Ktai. Ok. Meurs. Il a quand même perdu la moitié de ses HP sur une bombe Nova. Il s'y fait, il se barre. Et vous. Ah. Non mais on est où là? Oui oui mais bien sûr il a besoin de soutien là. Qu'est-ce qu'il fait? Allô? Monsieur? Qu'est-ce qu'il fait? Zou? Allô? Deux. Toi monsieur? Ok. Ah bah oui, bah let's go, je perds des HP quand je me libère. Putain mais... Oh fuck. T'es dans la merde. Allez. Ah bah là la puissance elle est différente hein. Ah c'est une autre paire de manches là tout de suite. Oh sa mère. Ouais ça va durer un peu plus d'une heure hein. C'est là que les coups de grâce aident un peu quand même hein. Fuck, il arrive. Mais qu'est-ce qu'il fait là lui déjà? Il a eu le temps de mettre une attaque de mêlée, je suis dégoûté. On va patienter. Il est où? Il se barre. Eh oh, toi reviens là. Allez. Ah, au secours. Putain de merde. Et la dernière. Mais qu'est-ce quoi? À travers le... Ah et merci. Et merci. Chance de la machine. J'admire votre soif de combat. Venez me trouver. Eh bah putain. Transmet son emplacement. Il semblerait que ce soit une invitation. J'admire votre soif de combat. Vous avez bien laté la gueule à mes potes. J'en profite un peu hein, les quêtes, vous savez. Oh attendez. Voilà. Parfait. Ouais, 10 sur 20. C'est pas génial. C'est pas une super note, mais bon. Ok. Et eh ben du coup, il manquera plus qu'à aller la trouver. On va pas le faire dans cet épisode, hein, mais on a déjà 54 minutes. Mais on est déjà pas mal. Mesdames et messieurs. C'est la fin de cette vidéo, je vais essayer d'aller pexer un peu histoire d'avoir des... Parce que là la puissance elle est 2100 là, déjà conseillée là, donc on va se calmer un petit peu et on va essayer d'avoir un peu d'armes avant de commencer à faire n'importe quoi. Hein?
Allez, d'ici là, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Oscur et à la prochaine. Salut!